Salut, je suis nouveau. Salut, Caloboy. Comment tu vas, poto? Bah, bienvenue à toi, si tu es nouveau. Et comme je disais, hein, de toute façon, je vais attendre un petit peu. Je vais sûrement me répéter après. J'ai colorié mes dessins, je les ai mis sur ta commu. Ouais, j'ai vu que tu m'as identifié. Je regarderai tout à l'heure, poto. J'ai vu, moi. Ouais, je vais sûrement me répéter, mais je suis malade. Donc, si vous m'entendez parfois renifler ou même tousser, donc c'est extrêmement normal. Je suis désolé si ça peut être un peu gênant. La preuve, c'est un peu chiant. Donc, ouais, sur GTA, je l'ai pas fini le solo. Tranquille, et toi? Moi, ça va, tranquille, poto. Oh, je suis encore loin, je pense, dans le solo. On va prendre Franklin. Franklin, pour ceux qui préfèrent. Hop. Une petite mission avec lui. Pareil, je suis malade et c'est chiant. Oui, c'est très très chiant. Surtout que moi, ça me gratte à fond dans ma gorge. Je vais essayer d'éviter de tousser, mais la preuve, je peux même pas. Je sais pas si ça doit faire mal aux oreilles, j'en sais rien. N'hésitez pas à le dire au pire, les potes. Hein. Pire, j'essaierai de me muter. Alors, je sais pas si la qualité va être top top, les potes aussi. Parce que. Attendez, je vais me mettre à la mission. Bah c'est le baraque, tout simplement. Ouais, comme je disais, la qualité, je sais pas si elle va être top top, parce que j'ai remarqué, j'ai re-regardé la rediffusion du stream que j'avais fait sur le zombie, sur Black Ops 3, et c'est pas terrible, terrible. Bah, on voyait quand même, quoi. Mais bon, c'était pas top top, je sais pas si là ça va être bien. On verra bien. Au pire, la prochaine fois, j'essaierai d'augmenter, mais après, selon la connexion aussi, c'est pas. Tu vois que là j'ai 18 ans, poto. Je t'ai découvert grâce à tes tutos DB Xenoverse. Et d'ailleurs, merci, mais je pense que tu peux me plaire comme youtubeur. Bah, ça fait plaisir, merci à toi. Il y en a pas mal qui m'ont connu grâce au tuto et vraiment j'en suis reconnaissant. Je sais très bien que. Bah, je savais même pas d'ailleurs que ça allait fonctionner comme ça. Déjà, c'était pas mon but, premièrement. Et bah, si je peux partager mes gameplays et tout grâce à ça, bah ça me fait extrêmement plaisir. Et puis merci à vous de vous être abonné, etc. Ça fait plaisir les potes. Non, tranquille, pas besoin de te mute. Et la qualité est bien. Et tu as Twitter? Oui, j'ai Twitter, poto. Je vais te mettre le arrobase dans les commentaires au pire. On voit bien déjà. Alors, tranquille. Bon, bah ça fait plaisir si on voit bien. Voilà, je vais te mettre mon Twitter. Merde. Voilà. Tu tapes ça sur Twitter, tu devrais me trouver. Normalement, s'il veut bien. Voilà. Ah, ok, nice, j'irai voir ça. Ah, pas de soucis. Bah, ça ferait plaisir, tiens, si tu me suivrais aussi sur Twitter, parce qu'il y a pas mal de. Enfin, quasiment personne qui me suit. C'est assez drôle, mais bon. Et qui est un des premiers aussi à me suivre sur. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais il est pas bien, lui. Tiens, dégage. Non, mais attends. Ah, faut pas me chauffer, mon gars, parce que je suis malade. Bon allez, on va faire une petite mission maintenant. Merci, t'inquiète pas, moi, t'inquiète pas, mec, moi je le ferai. Bah ça fait plaisir. Quand est-ce que tu fais la vidéo d'information du tournoi de. Pardon. Putain, merde, c'est en train de faire la fête. La vidéo d'information sur le tournoi. Bah déjà, j'attendais juste d'avoir le jeu, hein, entre les mains, ce qui serait déjà pas mal. J'attends vraiment de découvrir bien le jeu, de pouvoir commencer mon let's play pardon, premièrement, en espérant me pas trop me faire carotte par Bandai. En tout cas, j'expliquerai un peu pourquoi après. Je vais vous dire ça après pourquoi. Et aussi, enfin voilà, commencer le let's play, me mettre bien dans le jeu, et ensuite, pourquoi pas pour fêter, je sais pas, Xenoverse 2, je verrai bien. Ça va venir après quand, je ne sais pas encore, le temps déjà de me mettre dans le bain et que tous les joueurs puissent se mettre dans le bain sur Xenoverse 2. Après, on pourra s'organiser ça. Quel malade le gars qui te chauffe. C'est DBZ, ça va tranquille, et toi Jérôme? DBZ, moi je te suis sur Twitter et d'ailleurs c'est grâce à ça que je suis first. Ah, ça fait plaisir. Salut Amine, comment tu vas poto? Salut Multimix Gaming. Perso, je pense que tu pourras atteindre un grand nombre d'abos. Bah, ça fait plaisir, merci à vous du soutien, les potos.
Yo tout le monde, yo Yanis, comment tu vas? Et GTA 5. Ouais, GTA 5, c'est bien, mais c'est lassant au bout d'un moment. Non, juste faire un live pendant le tournoi, comme ça des gens peuvent assister, mais après je supprime mon nom. Ah oui, exactement, oui, bah de toute façon, c'est ce que je compte faire déjà. Yo Xenoforce, et yo Kindarks, comment tu vas? Yo Kalou, ça fait plaisir les potes que vous soyez là. Ça va et toi? Bah, ça va tranquille. Ouais, c'est ce que je compte faire de toute façon pour le prochain tournoi, c'est déjà de faire un live. Comme ça, quand j'appellerai, parce que ce sera une heure précise, après, il faudra voir si les gens pourront venir, etc. Après, je peux pas prendre une date qui peut convenir à tout le monde, c'est impossible. Mais je veux dire, je ferai un tournoi en live déjà, premièrement. La rediffusion viendra, bien sûr. Et au moins, comme ça, dès que j'appellerai un participant, je saurais, enfin, je vais dire, par exemple, je sais pas, je vais prendre, par exemple, Kindarks, voilà, ou je sais pas, Yanis, enfin bref, je vais dire, Yanis, voilà, c'est à ton tour, machin, est-ce que tu peux venir? Enfin, voilà, on va s'organiser. De toute façon, il y aura une vidéo explication quand j'organiserai le tournoi. T'as précommandé quelle version de Dreambox Xenoverse 2? J'ai précommandé la version standard, tout simplement, à 69,99€. Ça sert à rien d'en prendre plus. Le Season Pass, je le prendrai par la suite. J'aurais bien voulu l'édition collector ou même les Digital Deluxe, ils l'auraient fait en version CD, mais ils le font pas en France, ils le font que sur le PlayStation Store, mais bon. Tant pis, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis dégoûté, je viens de me déconnecter, merde, en plus, je fais partie du crew. Dommage, je vais te follow et je reviens. Y a pas de souci, Kalou. Dans la Deluxe, il y a Trunks du futur offert. Ouais, bah en même temps, Trunks du futur, c'est enfin Mirai Trunks de DBS. On l'obtient grâce au Season Pass. Donc, en achetant le Season Pass, j'aurai forcément Trunks du futur de DBS. Tu vas aller en online ou pas? Oui, je vais aller en online. T'inquiète pas, c'est que j'attendais un peu que les gens rejoignent. Tu prendras quelle race en premier sur Xenoverse 2? J'hésite complètement. Franchement, je sais pas. Je pense que ça va vraiment se déterminer le jour où je ferai le let's play, enfin, ma première vidéo en direct, les potos. Enfin, en direct, ouais, bah, si, en direct. Le jour où je ferai ma première vidéo dessus, je pense que ça se déterminera là-dessus. Ça va être très long. Je pense que je ferai une coupure à ce moment-là. Et je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas du tout. Le fail de merde, exact. C'est bon, je t'ai follow. Ben merci poto, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Deux points, machin, ok. Il est ici. Et une torche. Voilà. Je pense que c'est ça. À moins qu'il y ait une lampe torche quelque part ici. Non, mais c'est bon, je pense. Ok, nickel. Mais dans l'édition de luxe, il y a le Season Pass et tout enfin, au complet. Oui, voilà, en gros, il y a le jeu, le Season Pass, directement. Mais la Deluxe n'est pas en France, elle est en France que sur le PlayStation Store, donc en version dématérialisée. En fait, le fait d'avoir le jeu entre les mains, le CD, la boîte, là, je sais pas, c'est un kiff, et du coup, je préfère l'avoir en CD. Et malheureusement, je sais même pas si j'aurai la bêta fermée, en tout cas, j'espère. Parce que on peut avoir accès à la bêta fermée, c'est officiel sur PlayStation Store. Donc, en tout cas, j'espère avoir un code. Ça s'est bien passé la rentrée DB et vous les gars, ouais, la rentrée s'est bien passée, ça va. Freezer, c'est ce que je t'avais. Ouais, je m'en rappelle. Salut, Riser, comment tu vas, poto? Perso, je prendrais un Majin. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout, les potes. J'hésite vraiment. Donc ouais, je disais, je vais en parler un petit peu les potes. En fait, je sais pas si. En fait, j'ai un peu peur pour le let's play de Dreambox Xenoverse 2. Pour certaines raisons. En fait, quand je n'étais pas encore lancé sur YouTube, j'avais déjà acheté Xenoverse premier du nom. Et en fait, on pouvait pas. Enfin, ce qui paraît, il y avait des scènes bloquées. Et il risquait d'y avoir des droits d'auteur, je crois, sur certaines scènes de l'aventure. Donc j'espère qu'ils vont pas faire ça et qu'ils vont me ban certaines vidéos à cause de ça. Ou est-ce que ça sera juste des droits d'auteur et il n'y aura pas de monétisation ou je sais pas trop quoi sur la vidéo. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais si c'est juste ça, bah, je m'en fous, je les mettrai quand même. Voilà. Donc j'espère pas qu'ils vont me supprimer les vidéos juste pour ça. Ce serait vraiment dommage. Après, peut-être que sur Xenoverse 2, il n'y aura pas le même problème. En tout cas, j'espère bien. Oula, j'ai pas vu que certains commentaires. WeshDB, ça va. Yo Kevin, comment tu vas, poto? Quand les dates de la bêta, vous savez, oui, c'est le 14 octobre pour les bêta ouvertes. T'es rien, Xenoverse 2. Bien et toi?
Ça va tranquille, poteau. Moi, la rentrée s'est mal passée. Moi, je me suis fait virer car j'ai frappé quelqu'un, mais c'est sa faute. Oui. Ah oui, ça commence très bien la rentrée, poteau. Tu te bats, c'est chaud. Avant, on pouvait raid 15 minutes et maintenant 60 minutes si on va dans les paramètres de partage et de diffusion. Ah oui, tu parles de la PlayStation 4. Oui, exactement. On peut. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre des captures de vidéo. Ouais, exactement. Et bah, si c'est 60 minutes, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, poto. Ouais, je débais bien. Ça va tranquille, poto. Et toi? Moi, perso, je suis pris une heure de colle pour baston, mais j'avais juste envie de me battre et cet enculé m'a griffé. Ah, d'accord. C'est chaud, c'est chaud. AMDR, moi, j'ai eu une heure de colle. Mais putain, vous avez tous été collés ou quoi, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aimez pas trop l'école? C'est bien la rentrée des BZ? Pff, ouais, la rentrée, en gros, j'étais le déprimé de la vie, quoi. Je suis arrivé en cours, j'avais les yeux dans le cul, j'avais la tête dans le cul. On aurait dit j'avais fumé 3 pets. Enfin bref, j'étais détraqué au niveau des horaires, c'était plutôt pas mal. J'avais rien compris à ma vie, genre en fait j'étais en cours. Pour moi, j'étais pas en cours. En fait, j'étais à l'école, mais j'étais pas à l'école dans ma tête, hein. Pour moi, j'étais quand en vacances. Ok, j'irai voir après. Bah, y a pas de souci, poto. Bêta fermé du 8 au 10. Ouais, voilà, exactement. Bah, merci, Yannis, ça fait plaisir. C'est DBZ, je te kiffe, continue comme ça. Merci, Reda, ça fait plaisir. Un bon petit live de notre DBZ pour oublier le reste. What the fuck, négro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte, Franklin? Tu fais une petite la rasta des States? Oh shit! Qu'est-ce qui se passe? C'est la police. Oh, calmez-vous, les copains, tranquille. Ah ouais? J'ai oublié que c'était violent comme ça, j'étais. Ok. What the fuck? Ouais, je sais, mon anglais n'est pas très fou, on va dire. Mon accent anglais est pas terrible, toi-même tu sais, Kindarks. Tu feras un live sur Xenoverse 2, on l'attend tout ce jeu. Oui, t'inquiète pas, poto, il n'y a pas de souci. Il y aura un live sur Xenoverse 2. Après, je live souvent depuis la Play. Donc, je sais pas, je sais que sur Xenoverse, pour du nom, on pouvait pas live depuis la Play sur YouTube. Alors, j'espère vraiment qu'ils vont régler ce problème-là sur Xenoverse 2. Si c'est pas le cas, je ferai sur Twitch. De toute façon, au pire, vous aurez juste à me rejoindre sur Twitch, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo annonce, les potos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ça dégage, dégage, dégage. Ok, le tour. Oh, la petite collate. Après cette mission-là, je vous invite, les potos, hein, vous inquiétez pas. Enfin, une petite session ensemble. En espérant que vous serez un petit peu quand même assez nombreux. Oh la vache. Vous serez quand même assez nombreux à rejoindre la session. C'est cool. Après, ceux qui veulent, je les inviterai en partie. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois, c'était plutôt, c'est plutôt bien passé. Donc, je me dis pourquoi pas. Je vous inviterai en partie. Bon, par contre, il n'y aura que 7 places maximum. Après, je sais pas si je vais inviter 7 personnes. Parce qu'après, au risque que ce soit trop le bordel. Allez, ouvre-moi les portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Après, pour ceux qui... Ouais, merde. On peut pas faire le double triangle, on n'est pas dans Call of DB. Ouais, pour ceux qui veulent savoir, prochaine vidéo, je ferai une petite vidéo découverte de la démo de FIFA 17. Ouais, je sais. Ça manque, vraiment ça manque du Xenoverse. Oui, je sais les potes. Je vais faire du FIFA 17, mais bon. Après voilà, je sais plus trop à quoi jouer en ce moment. J'ai vraiment hâte déjà que la bêta sorte de Dragon Ball Xenoverse. Mais bon voilà, après en fin du mois aussi, je jouerai FIFA 17. Pour ceux qui veulent savoir, je ferai sûrement un petit let's play avec Alex Hunter. Je sais pas si vous suivez énormément le foot ou du moins FIFA. Et en fait, c'est un nouveau mode de jeu, une sorte d'aventure qui a l'air vraiment pas mal. Vous êtes dans la peau d'un joueur. Je compte le faire. Bon, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de Xenoverse 2 cette année. Hein. De toute façon, c'est un peu le but
Je pense que ça va être plus le jeu principal en fait de la chaîne. Avec peut-être Call of, je sais pas. Ça dépend si Call of est bien cette année. Ça sera Xenoverse 2 et Call of, les deux jeux principaux de la chaîne. Et du FIFA aussi. Mais FIFA, je pense plus faire le Let's Play. Après, je vois pas trop quoi faire. Enfin, je sais pas trop quoi faire sur ce jeu. Allez. Voilà. Nickel. On doit faire quoi là? Cette mission est cool. Ouais, ça va. Mais Yamcha, c'est le plus fort de Dragon Ball. DB, t'as BO3? Si oui, fais des vidéos avec des abos. Oui, j'ai Black Ops 3, mais il me saoule ce jeu. Franchement, j'en ai vraiment marre. J'ai vraiment hâte de passer au prochain Call of. Surtout, plus à code 4 masterisé qu'une Infinite Warfare, parce que tout le monde le sait. Hein, mais je critique pas le jeu. Mais voilà, sachant qu'il y a code 4 masterisé, Infinite Warfare, ça se trouve, ça sera un coup de cœur, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo. Hein. Je verrai bien. Tu es très violent, DB. Oublions pas Chichi qui a envoyé Goku à l'hosto. Ah, c'est pas faux. Bon bah je vais attendre le prochain live sur GTA V, tu pourras les faire un peu plus tôt s'il te plaît, il n'y a pas de souci, j'essaierai la prochaine fois. Allez. La chatte à Dallas. Salut DBZ, New Laser. Salut Reda. Oh, je suis désolé si j'ai loupé quelques coms les potes, parce que là, j'essaie de me concentrer sur la mission, puis après je lirai vos commentaires les potes, vous inquiétez pas. C'est bon ou pas alors, les a pas encore esquivés. T'es pas décidé pour les reviews après l'épisode 58? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout parce qu'à la base, ma chaîne, c'est une chaîne multigaming, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr que des petites reviews de temps en temps, ça peut changer. Ça fait du DBZ en plus. Enfin, du Dragon Ball Super. Pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. C'est après reprendre à l'épisode 58, c'est compliqué. Très compliqué. Salut Skyrix. Tu peux juste faire une vidéo pour prévenir que tu es en live comme tu faisais sur Twitch. Il n'y a pas de souci, poto, je ferai ça. Bah après, le truc, c'est qu'au pire, quand je lance un live sur YouTube, tout le monde le voit. Donc après, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt, mais si tu veux, je pourrais toujours le faire. La version de Dreamworks Universe 2 Collector est raisonnable, 120 euros avec la figurine qui coûte 120 de plus le jeu 65. Pas d'arnaque, j'ai oublié, j'ai blagué, je vais le fumer. Ouais, exactement, ça vaut le coup, c'est sûr, mais bref, après la figurine, elle est quand même assez grande, donc ouais, ça vaut quand même le coup. Mais j'aurais préféré qu'il rajoute peut-être 10-15 euros de plus et mettre le season pass avec, ça aurait été plutôt pas mal. Bon, après, c'est comme ça. Donc là, on va pouvoir passer en online, les potos. Normalement, je crois que c'est la fin de la mission. Ça fait plaisir, on va laisser les petites cinématiques. Hop. Ouais, ça c'est très sympa. C'est très gentil Franklin, il vient de claquer un ferme ta gueule comme ça. C'est très sympa. La version des messages, j'ai vu, mon frère veut se battre contre toi sur GTA et Xenoverse 2. Donc voilà, là la mission est terminée. Donc ouais, voilà, mission réussie, ça fait plaisir. On va passer en online les potos. Donc ouais, continuer. Tu vas acheter la caméra PlayStation. Non, 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 non. Si j'achète une caméra, ça sera une caméra pour YouTube, genre pour mes vidéos, et que je me servirai sûrement pour aussi les lives. Donc voilà. Donc allez-y les potos, rejoignez ma session. Hein. Vous pouvez me rejoindre depuis le crew. Donc, je vais vous montrer. C'est simple. Vous faites option. Ceux qui sont dans le crew, bien sûr. Vous allez en ligne. Crew. Vous faites mes crews, vous allez dans DB Family, voire membres. Là, vous allez sur moi et vous avez juste à cliquer et faire rejoindre session, tout simplement. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont me rejoindre? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient que j'invite en partie? N'hésitez pas à le dire, les potos, comme ça je vous invite directement en partie. Mettez pas des vents, rejoignez. Bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Je les force pas. Ce qui est chiant, c'est que Dragon Ball Xenoverse 2 ne sera pas sur PS3, ouais, malheureusement, ouais. Bonjour DBZ, yo Dark, comment tu vas, poto? Feras-tu une vidéo Xenoverse versus abonné? Possible. C'est fort possible.
Mais après les potos, je tiens à vous dire que les premières vidéos qui viendront, ça sera surtout en ce qui concerne l'histoire, tout ce qui sera le let's play, les quêtes parallèles. Et ensuite, on s'attaquera à tout ce qui est secondaire, on va dire, en mode online, genre par exemple, vous inviter en live, faire des petits combats ensemble, etc. Donc voilà, ça viendra, vous inquiétez pas. Mais voilà, au début, je vais plus me concentrer sur l'histoire, les quêtes parallèles, et pourquoi pas faire aussi parfois des quêtes parallèles, etc., en live, et puis vous inviter. Après, les versus abonnés, etc., sera un peu secondaire, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps, les potes. Hier, c'était mon anniv. Bah, bon anniversaire en retard, poto. J'espère que t'as passé une bonne journée. DBZ, je finis juste un truc et je te rejoins. Ok, y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je t'invite aussi en partie, poto? Comme je disais, hein, les potes, c'est ça. Hein, Comment? Je veux bien faire du online. Il y en a qui m'ont demandé. Par exemple, je sais plus c'est qui, là, à part Yanis, il y en avait d'autres qui m'ont demandé. N'hésitez pas à rejoindre les potes, surtout. Parce que vous m'avez demandé, c'est bien beau, mais après, faut rejoindre, c'est ça le truc. Je veux bien, moi, y aller en online, mais après, s'il y a personne, ça, c'est un peu plus embêtant. En plus, on va dire que je suis un peu cool en ce moment, j'invite en partie, donc profitez-en. Mais il faut pas croire, hein. Une fois que Xenoverse 2 il sera sorti, ce sera pas la peine de me demander du GTA, hein. Enfin, là, ce sera only Xenoverse 2. Après, il y aura peut-être du Call of entre deux ou du FIFA, mais genre, ce sera vraiment vite fait, quoi. Le plus, là, Xenoverse 2, je vais saigner, quoi. J'ai trois garages, donc. Est-ce que tu vas voir, ça va pas être terrible, là, je crois. Ah, je sais plus. Ah, je me rappelle de mon tout premier live sur Xenoverse, c'était marrant avec des vieilles blagues sur les persos des DBZ. Yo DBZ, yo Dark, comment tu vas? Dark Zone. Fais-nous aussi GTA avec Xeno, s'il te plaît. GTA, si y a Xenoverse 2, GTA, j'en ferai pas beaucoup pour toi. Hein. Honnêtement. C'est très rare. Ah, j'ai la Elegy, Vaca, Zantarno, Jester. Celle-là, je ne sais même plus c'est laquelle. Je crois que c'est. Bah, attendez, je vais rentrer dedans. C'est la Turismo R, je crois. Ouais. Turismo R. Kuruma blindé, là. Et. Je sais même plus. La Roosevelt, je crois. Ouais. Et la petite DB Family, les potos. DBZ Family. Tu joues à Rocket League? Alors, ça, c'est pareil. Je peux peut-être vous raconter une petite anecdote, on va dire. Waouh, la voiture. En fait, Rocket League, je l'avais. Je peux toujours l'avoir, hein, si je veux. Mais le truc, c'est que j'ai eu un souci. Pendant que les gens disaient qu'il y avait des problèmes sur Rocket League, j'étais parmi ces gens-là qui avaient des problèmes sur ce jeu. En gros, ma play. Le ventilo il tournait à fond de balle et à un moment elle a coupé mais genre sec comme si qu'il y avait une coupure de courant et j'ai eu très très peur et depuis ce jour-là bon la première fois j'ai laissé passer je me suis dit putain j'espère que ça va pas recommencer et j'ai rejoué et tout et c'est arrivé une deuxième fois en fait le jeu freeze avant que ça fasse ça. Et du coup après la play on prend un coup dans la gueule. En fait la deuxième fois je me suis dit c'est mort, je recommence pas parce que un coup comme ça la play après ça peut disjoncter et puis plus marcher donc enfin voilà donc je sais pas si je le réinstallerai parce que je sais qu'il y a des nouvelles mises à jour qui font que normalement Rocket League ne bug plus. Enfin bref. Ouais, je verrai bien. Il est beau ton garage. Bah merci. Moi je suis pas sur GTA 5, j'ai même pas de quoi acheter un slip. Et encore on peut s'acheter deux slips. On peut pas s'acheter des slips. J'arrive, y a pas de soucis, Wolf. Vous avez de la chance de jouer avec des BZ. Dommage. Ouais. Je suis dégoûté, parce que c'est un jeu quand même assez fun et tout. Je suis pas trop jeune, poto, ça me fait comme la dernière fois. Me demandez pas ce genre de questions, c'est. Voilà. Moi, Xenoverse 2, je l'ai, je vais le saigner, je vais le fumer, quoi. Je vais essayer même de le platiner. Moi aussi, j'ai les commentaires et les bugs.
Bah surtout qu'en fait là je sais pas pourquoi je peux voir les commentaires depuis mon PC et du coup je dois me servir de mon téléphone et mon wifi est en train de bugger à mort. Puis j'ai pas niqué ma 4G donc ça serait bien s'ils mettent la coupe de Vegeta à débloquer sur dans Xenoverse 2. Ouais, ça serait pas mal. Ne feras-tu Dragon Ball Fusion si t'as une 3DS? Je n'ai pas de 3DS, j'ai une DS et je pense et j'avais demandé si on pouvait Normalement, tu peux me rejoindre par la partie chat bébé. Ouais, ce que je vais faire. Et s'il serait sorti sur DS normal, j'aurais acheté. Mais je ne peux pas. Tu vois, sur GTA là, bah, on va faire des courses avec Wolf. Ah, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pas mal de monde me demandait si j'ai des gens online. Et arrivé là, bah, on est plus que deux, tu vois. En fait, c'est un peu chiant. Je tiens à préciser aussi les potes que dans les tuyaux ça risque de faire une qualité de fou, hein. Que vous savez sur n'importe quel stream, la qualité elle est merdique dans les tuyaux parce qu'en fait ça suit pas, donc c'est normal. Pour tout ce qui est ton PSN, bah là tu le vois là, c'est marqué. Dans l'accueil. Celui qui est marqué présent en vert. C'est le mien. Mais Sarah me demande un ami, poto, hein, tu ne pourras pas. Tu t'as lancé K2? Ouais, ça a lancé tout seul, il n'y a On personne prend qui les m'a demandé. customs ou. Ou n'importe, comme tu veux. Yo Mangi, comment tu vas, poto? Mangi? Mangiga. J'ai pris ma TVA. Je te promets, mon frère, il démonte Broly, il le regarde, il lui donne une baffe et le Broly se met en PLS sous le canapé. Donc là, attention à la qualité, les potes, vous risquez de plus rien avoir, hein, je vous le dis clairement. En fait, c'est quoi là, en fait? C'est un labyrinthe, c'est quoi? Il y a un gros troll. Peut-être trouver le bon passage. Ah ouais. Et toi, tu l'as déjà faite, non? Tu connais le passage, non? Non. Oh merde, là on verra bien. Ton intro me manque aussi. Comment ça, mon intro? Ah, ok, on peut remonter. Génial. Ah d'accord. C'est pas là. Super. T'es où là? Là, voilà, tu vois tout droit. Ouais, je te suis. Là, j'ai vu, il y a encore un autre chemin là. Là, si on va là. Et tu peux pas aller tout. Ah ouais, ça tourne en rond en fait. Ah oui, ok, ouais. Je sens que je vais tomber, regarde bien. Ouais, c'est Ah. mort. Ah! Oh putain! Ah. Là, il y a une rampe. Ah ouais. Je vais Ah pas bien la joué. prendre. On peut pas la. What? Non, on peut pas. Et si Ah, on il y a un autre esquive la chemin. rampe? Et qu'on peut pas sauter dans le Ah, tuyau viens, là? regarde, là, il y a un autre chemin. Oh putain. Hop. Peut-être que là, il y a moyen. Ah bah oui, bah ça passe normal là. Ouais. Là, il y a un tuyau. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Ah si, il y en a un là-bas. Oh merde. Ah c'est bon. Oh on a un check. Moi je suis heureux au tournoi Xenoverse 2 avec Condé BZ où j'espère contre lui. Contre moi ça va être un peu difficile. Le tournoi c'est avec mes abonnés, c'est pas.
Hein? Ah là, j'ai fait du tout quoi de... Peut-être pour aller dans le tuyau. Peut-être qu'il faut y retourner, ouais. Enfin, ouais. Pour aller dans le tuyau. Ouais, mais comment on y retourne? Ah ouais, ici. Non, contre lui, il fera du Xenoverse 2 avec toi. Bah, je ferai du Xenoverse 2 avec mes abonnés quand ils me rejoindront en live. Oh, j'ai explosé. Ah, t'as explosé. Attends, je t'attends. J'essaie d'y aller doucement. Ah, c'est bon, nickel. Allez, le petit demi-tour. Nickel. T'es Et tombé? encore. Oh putain! Je suis tombé! J'ai eu le point. Ça va être compliqué alors. Sur le tuyau de tenir. Là. Oh non! Oh! Putain, ça a l'air de. Ouf! Wow, ça a l'air d'être compliqué. Oh putain! Vas-y, T'inquiète, tombe. t'inquiète. Ah, t'es tombé! Il faut que je fasse quoi là? D'accord. Moi, je suis tombé. Comment on fait pour rejoindre ton crew GTA 5, s'il te plaît? Bah, tu as juste. Clash Royale, tu as juste à écrire. Enfin, rechercher le crew. DB Family, DEH, bah attends, je vais te l'écrire dans le chat. Et après, tu envoies une requête. Si c'est bon. T'es tombé dedans? Non, non, je suis retombé, il y avait un Ah, mais petit creux, je suis attends. tombé. Ouah. Oh. En fait, c'est une petite route. C'est la route qui est au bord. Je suis en train de tourner là. Je suis dans un manège. Ah. Je suis à l'envers. Je vais pas y arriver. Ah si, c'est bon. Allez. What? Oh, je suis tombé. Ah, c'est bon. Mais c'est beaucoup trop Nickel. simple. Ok, merci. Mais y a pas de soucis. Redeadpool. Non. Ouh, non, Oh la non, 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 voilà. non, non, Oh. non, non. Oh. J'allais trop vite, j'ai pas eu le temps. Je suis à l'envers. Allez, remets-toi bien. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai eu le poids, je t'attends. Je ferai des combats contre toi ou avec toi dès que j'aurai final KMV si j'ai 3 et tu vas l'équipe 5. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là. Il faut faire quoi là? Monter? Oui, après. Ah, le poids, il était là. Non, il était là. Non, je l'ai pas eu. Comment je vais faire pour l'avoir? Je vais essayer de Il monter. faut ralentir. Ah, je l'ai eu. Ah, bah l'autre point, il est juste là. Ouais, ça allait moins vite que tout à l'heure et je suis complètement allé loin. Bah, après, même en tombant, normalement, tu peux avoir le point en haut. Tu remontes normal. Tu aimes avoir la tête à l'envers. Exact. J'aime bien. En tout cas, ça fait plaisir les potes que vous venez passer du temps avec moi sur GTA. Je sais que c'est pas extraordinaire. Surtout en ce moment, GTA. Il a 3 ans en plus. Pas sûr tant que ça, il a fêté ses 3 ans. C'est bon, je vais Ça fait quand même longtemps. Oh, salut. le dire. Tu joues à Dokkan Battle? Oui, je joue à Dokkan Battle. Là, je suppose qu'il faut aller par là. Ouais, bah là, j'ai loupé le point. Ah, c'est bon, c'est bon. Il reste encore. Ah ouais, regarde les points de passage juste vite fait. On est qu'à 18 sur 48. Oh, merde! Voilà, va pas tout droit. Ah, d'accord. What? Je suis bugué. Passe à droite, à te bloquer. Attends.
Ah, c'est bon. J'étais bloqué contre le plafond. Ouais, c'est un truc bizarre. Oh, merde! Oh! Oh, Oh. désolé! Là, c'est bon. J'ai même pas vu en plus. Ça fait quand même déjà quasiment une demi. Putain, j'ai refait la même connerie! Quasiment une demi-heure que. On est sur la course. C'est en arrière. Wow. Oh, je passe au-dessus. Ah Attends, je vais. Ah merde, c'était là, je crois. Ah je pense pas. oh. Ouais, Majin Vegeta, le mail, le live sur YouTube ou pas? Comment ça? Tu mets le live sur YouTube ou pas? Oui, bah de toute façon la rediffusion va se mettre. Mais je pense peut-être plutôt faire un best-of là de celui-ci. Après, je sais pas si vous préférez que je mette la rediffusion au complet, bah je mettrai au complet. Alors. Ça allait dans le bleu, moi. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et là après je crois qu'il faut que tu passes dans le tuyau violet. Ah ok, d'accord, non. J'ai rien dit. Rien. Je me suis fail là. Je suis sur le toit. Je vois pas. Attends, est-ce que c'est toi qui es derrière moi là? Je sais Ah pas, oui, ok. je vois rien, moi. Si, si, t'es sur moi. Putain, j'ai la voix cassée. Je suis désolé les potes si j'ai la voix cassée, mais. Ah, ce que je veux dire, c'est que ça, je l'ai vu l'image, tu vois, avec les points d'interrogation. Mais on sait juste qu'il y en aura 85, quoi, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est ça, je crois. Ouais, il y a une plateforme. Ah ouais, des pneus et tout. Ah oui, d'accord. Vache. Oh. Oh putain. Ah, genre, il y a un 4x4, ça aurait été beaucoup mieux. Hop. Wow. T'es embarqué. C'est déjà l'arrivée là, ça y est. Enfin. Ah ouais. ouais. Et l'arrivée, elle est où en fait? Alors, est-ce qu'elle est en bas? Non, je pense pas. Deux tuyaux. Ouais, moi aussi. Pas sur le tuyau. Bah, tu sais quoi, moi je vais respawn. Très bien. Mais super longue la course, ouais, c'est clair. Bon, enfin. Ah, t'as fini, ça y est? Faut aller C'était le où? tuyau rouge. Tu es au rouge? Let's go! Oh non, je sens l'explosion. Je sais pas pourquoi je sens l'explosion. Ah bah ok, d'accord. Enfin! Ouais. En fait, tu fais un live par semaine? Non, pas vraiment. Habituellement, j'en fais plutôt deux. Là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, surtout que étant donné que là j'en fais un et enfin, je suis quand même assez malade. J'avais quand même hésité à en faire un, mais donc, voilà. C'est que cette semaine, j'étais quand même pas mal malade, donc c'est un peu la merde. On a gagné, en plus, on a passé quasiment une demi-heure, on a gagné que 7 000 et 11 000 dollars. L'arnaque. Bah ouais, en fait c'est ça. Il y aurait un peu plus de personnes, je pense que j'aurais peut-être pas arrêté le live là. Mais là, je pense que je vais peut-être mettre fin au live. Je suis un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas eu assez de monde. En plus, on m'a demandé beaucoup de fois si j'allais aller en ligne pendant que j'étais en solo. Puis arrivé là, bah on n'est que deux. Pourtant, il n'y avait pas que toi qui m'a demandé. Hein. J'avais regardé, il y avait pas mal de monde déjà. Je dis bon, ça va être bien, je pense. Puis arrivé là, bah les gens sont pas venus. Bon après, je leur en veux pas. Hein. C'est pas. Ils font ce qu'ils veulent. Yo, salut DBZ, désolé, j'étais pas là avant. Y a pas de soucis, Landak, t'inquiète pas. Si tu fais un live GTA 5 sur YouTube, tu pourras faire une vidéo pour l'annonce. Ouais. Y a pas de soucis. Bah après, je savais pas qu'une annonce aurait pu être beaucoup mieux pour vous, étant donné que le live il se met directement en route sur YouTube, donc vous avez Ouais, c'est directement pareil. la notif, je pense, non? Comment? Oui, il y a la notif. Ouais, y a la Donc c'est pareil notif, pour tout donc. en fait.
Ouais, c'est pareil qu'une vidéo, quoi. Surtout que ça va durer que quand même quelques heures en live, donc je pense que vous avez le temps de venir, quoi. Après, je vois pas trop l'intérêt de faire une annonce. Bon bah salut, bonne nuit les gars, bonne soirée DB. Bonne soirée à vous les potes, donc voilà. J'espère que ce live vous aura plu les potes, bonne soirée, bonne nuit.